Ok, là je viens de brancher ma guitare à MIDI et puis j'ai changé l'instrument. J'ai mis maintenant guitare électrique. Bon, je voulais d'abord expliquer les rôles des score éditeurs. Les score éditeurs, ça nous permet d'interpréter les sons de MIDI et les transformer en notation. Dès que vous avez la notation, donc vous pouvez imprimer ça et partager avec d'autres musiciens. Donc voilà les rôles des score éditeurs. Donc, comme je viens de dire, j'ai branché ma guitare. Nous allons voir comment le score éditeur va interpréter les notes que moi je vais jouer dans ma guitare MIDI. Ok, là je vais fermer ce tableau et puis je vais aller sur Windows, activer mon score éditeur. Voilà, je vais changer la configuration, comme ça on va voir tout. Maintenant, je vais enregistrer. J'appuie l'enregistrement. Non, j'arrête là d'abord. J'enlève les cycles là-bas parce que je veux que ça continue. Donc, je viens ici, j'appuie le score éditeur. Voilà. J'enregistre maintenant. Voilà, donc je viens d'écrire une partition de musique, hein, malgré que les notes ne sont pas. Hein, donc j'ai improvisé. J'ai improvisé, c'est pas vraiment la chanson Tété, hein, donc j'ai juste improvisé comme ça. Vous comprenez que c'est une guitare MIDI. Alors, les notes MIDI que j'ai jouées, ça a été interprété. Donc maintenant, j'ai des notes. Avec ces notes-là, je peux corriger ça. Par exemple, ça. Si j'appuie là-bas, je peux faire monter ça. Je peux faire descendre ça. Donc, je peux manipuler ça. Ou je peux prendre d'autres signes ici. Par exemple, ça. Hein, je peux mettre ces signes quelque part ici. Attends. Ouais, je peux prendre ça et puis ajouter comme ça, tu vois. Je peux prendre autre chose. Par exemple, si je viens ici, je peux ajouter ça ici. Donc voilà, donc c'est ça les rôles du score éditeur. Donc ça permet d'interpréter des notes MIDI en notation. Donc voilà, maintenant nous avons une notation. Donc si je reprends à 0, je peux jouer les notes que je viens de jouer. Voilà.